Contact. En direct du Zénith de Lille. Alors on a passé une excellente soirée, ce soir évidemment de la scène, du suspense. Je vous fais découvrir l'envers du décor puisque oui, les backstage ce n'est pas que du champagne, des petits fours et des femmes nues. C'est aussi ça, c'est aussi un endroit un peu sombre, un peu dark, un endroit un peu terrible, un endroit qui fait peur, un endroit où il fait froid, un endroit où on passe d'excellentes soirées. Cependant, eh bien, il faut savoir apprécier la fin des soirées. Ce soir, la soirée s'est très bien passée. Le public était réceptif, le public a dansé comme ça, et puis on a décidé de partir. Alors, pour une petite info, tu peux tourner la caméra, vous pouvez voir les fûts de bière qui ont été descendus, hein, c'est pas rien. Donc il y a un petit quelque chose. Évidemment, nos patrons sont venus avec leur véhicule, vous pouvez voir la voiture de Jean-Charles Vérague, qui a son véhicule ici. Une merde, bon, on s'en fout. Par contre, moi, évidemment, j'ai réussi à dealer la voiture de fonction qui déchire. Évidemment, vous le savez, je suis originaire de la région parisienne. Elle est donc immatriculée dans le 75, elle se situe par ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas rester trop longtemps avec vous. On a passé une excellente soirée tous ensemble pour l'Enjoy Dance Party volume 2. On se retrouve très rapidement pour l'Enjoy volume 3. Il y aura, si tout se passe bien, un énorme guest DJ. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais prendre ma voiture et je vais peut-être ramener Martin. Oui, Martin Solveig, c'est un ami. Enfin, c'est un ami. C'est plus que ça, c'est mon frère. Voilà, vous le savez, Martin Solveig est mon frère. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à partir de vendredi sur Contact à 19h. Ah bah, j'ai pas les clés. Ça ne fonctionne pas. Je vais rentrer en métro, c'est plus simple. C'est plus sympa. Ça donne envie aux femmes de rentrer avec moi. Voilà, bonne soirée, hein. Merci beaucoup. Putain, fait chier. Contact.